T'es en retard. Je sais, désolé. Est-ce que tout va bien? Non, l'avion a eu un problème mécanique et mon vol a été retardé, et puis... aux douanes, ça a pris un temps fou. C'est dur, Michael, connaissant notre passé. Je veux que ça fonctionne entre nous, mais... je sais pas si c'était une bonne idée de venir ici. Angie, écoute-moi un instant. Je suis là. Ok? Et cette fois, ce sera différent. Je te le promets. Je ne demande qu'à te croire. Tu le sais bien. Mais, je t'en prie, ne me laisse pas tomber cette fois. Je t'attends. Ok. Je serai là dans 20 minutes. D'accord. La bonne voiture pour vous. Service de location, ici Sandy, comment puis-je vous aider? Ouais, ici Michael Woods, on s'est vu il y a un moment à peine. Ah oui, l'Américain. Est-ce que tout va bien, Monsieur Woods? Non, voyez-vous, j'ai les clés d'une fourgonnette. J'ai demandé une berline. Eh bien, vous n'avez qu'à revenir au comptoir et on va essayer de voir quel est le problème. Mon superviseur sera de retour bientôt. Vous pouvez pas régler ça? Non, malheureusement, je ne suis pas très douée en informatique. Mais mon superviseur sera là dans quelques minutes. Oubliez ça. Ça vaut pas la peine. Non, désolé, ouais. Monsieur. Je dois vous demander... Malheureusement, j'ai pris du retard et on m'attend quelque part. Alors, on réglera ça à mon retour, ok? J'ai peur que ça ne puisse pas fonctionner. Merci, au revoir. C'est bizarre. Ils conduisent à gauche. Trying to
Ne conduis pas à droite. This is one of those things you pay for. I'm young, willing and able. Ekaya bangi tella one thing, make dough. Tech yes is the team I play for. Pull a game sinking, I they know. Sangona gere sane, unga special munge na mali. We do this for the Monday, siyate shalana asane. No favors to all the haters, manga abune kwane. Where I was born, and my Zulu accent is kept straight when I'm on the microphone. My fans rapping my vest on when I'm on the stage performing, set in my chest. C'est ma faute. Désolé, mon gars. Réveille-toi! Te mets pas dans le pétrin, Michael. Te mets pas dans le pétrin. Te mets pas dans le pétrin. Te mets pas dans le pétrin. Salut. Où es-tu? Je suis bloqué sur la route, ça avance pas, je sais pas quel est le problème. Il y a aussi la compagnie de location qui m'a donné la mauvaise voiture. Michael, tu sais à quel point la sécurité est complexe. J'ai dû me soumettre à un tas de procédures pour me libérer quelques instants. Non, je sais, mais c'est pas ma faute, enfin, qu'est-ce que je peux y faire? Je contrôle pas les avions ou la circulation, tout de même. Tu veux patienter encore un peu? Ça fait 18 mois que j'attends ce moment. Je sais. Et je suis ici maintenant. Quand la commission des libérations conditionnelles a autorisé ton voyage, je me suis dit que ce serait un nouveau départ pour nous. À présent, j'ai peur quoi que... Attends, mais pourquoi tu pleures? Je ne veux plus d'histoire, Michael. J'ai assez souffert comme ça. Quoi? Je ne peux plus. Quelles histoires? Tu t'es arrêté pour acheter de l'alcool? Non, franchement, je t'ai dit qu'il y a un embouteillage et que ça n'avance pas. Ok. Angie, laisse-moi juste une chance, d'accord? Je te promets de ne pas te décevoir cette fois. Ok. Appelle-moi dès que tu seras là. Nouveau message. Assure-toi que ce soit fait proprement. Hey, on se calme, mon vieux! Bon sang.
Salut, mon ami. Je vends des chargeurs pas chers. Ouais, j'en ai pas besoin. Non, mon ami, achète un chargeur pas cher. Je sais, j'en ai acheté un à l'aéroport, j'en ai pas besoin. Ça vaut rien, ça. Il se brise en une journée, mon ami. J'ai besoin de rien. Non, mon ami, regarde-moi, je suis le plus mignon en ville. Ouais, c'est pas la question. Quel téléphone tu as ? Qu'est-ce que tu fais ? Revenez ici ! Ils ont pris mes lunettes. Et maintenant, sur la scène régionale, on affirme que plusieurs sources n'ayant apparemment aucun lien entre elles ont rapporté la disparition d'une cinquantaine de femmes à travers la ville de Johannesburg. On ignore pour l'instant si les personnes disparues entretiennent une quelconque relation avec le crime organisé. Toutefois, le chef de police dit ne pas s'inquiéter outre mesure de cette situation. Il soutient qu'il pourrait s'agir d'un canular orchestré par un groupe de belligérants qui tentent de s'emparer du pouvoir. Une enquête est menée par les autorités municipales et le représentant des relations publiques a assuré la presse que d'autres détails restent à venir. Allô ? Tu devais confirmer la réception du message. Allô ? Oui, qui êtes-vous ? Voulez-vous bien me dire ce qui se passe ? Allô ? Comment avez-vous eu ce téléphone ? Je l'ai trouvé dans la boîte à gants et puis... J'ai loué cette voiture en arrivant à l'aéroport. La compagnie a fait une erreur et... Allô ? Allô ? Pourquoi il y a une arme sous mon siège ? Qu'ils aillent au diable. Je fous le camp d'ici. Soit dit en passant, je jouerai pas à votre petit jeu. Je fous le camp d'ici. Je vous laisse votre arme, l'auto, le téléphone. Michael, vous pouvez tout prendre. Je suis l'enquêteur Smith. Nous menons une opération secrète à l'aéroport. Il y a eu une erreur. Cette voiture était destinée à un de nos agents d'infiltration. Nous sommes conscients que ce n'est pas votre faute. Et que vous n'avez rien à voir avec ça. Tant mieux. Ça me rassure. Ne vous inquiétez pas, nous savons ce qui s'est passé. Vous avez pas idée. Oui, toutes nos excuses. On a une autre voiture pour vous. Je vous envoie l'adresse et on va faire l'échange, d'accord ? Ok, génial. Quel soulagement, j'avoue que...
Prenez l'avenue Nicole jusqu'à la rue Smuts, entrepôt 78. Ça m'a tout l'air que j'irai pas à pied. Je cherche la rue Smuts. Laquelle? Il y en a 57 dans le répertoire, monsieur. J'en sais rien, c'est ma première visite ici, je suis américain. Malheureusement, je ne peux pas vous aider si vous n'avez pas plus d'informations. Au revoir. Excusez-moi. Pardon. Pouvez-vous me dire où est la rue Smuts? Ce coup-là, je l'avais pas prévu. Smuts. Excusez-moi. Non, c'est pas la peine. Merci. Prenez Nicole jusqu'à Smuts. Je dois faire demi-tour. Oh, merde. Tu as une demi-heure de retard. Ouais, je me suis égaré et je suis bloqué. Où es-tu? J'ai tourné sur la rue Crane. La rue Crane? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a eu un problème, ils se sont trompés de voiture à l'aéroport. Ils m'ont... Tu as la mauvaise voiture? Je ne comprends pas. Michael? Angie, est-ce que tu m'aimes? Quoi? T'as compris. Michael, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu m'aimes réellement, j'ai besoin que tu m'expliques où la rue Smuts se trouve. Ensuite, il faut que tu arrêtes de me poser des questions. Je t'en prie, accorde-moi encore 20 petites minutes sans plus. Et si je suis pas arrivé dans 20 minutes, tu peux choisir de plus jamais me parler, ok? Fais demi-tour. Retourne sur la rue Crane, tourne à droite sur Gaul et Smuts sera la troisième rue à ta gauche. D'accord. Je t'aime, Angie.
Je vous ferai aucun mal, vous pouvez me croire. Je vous enlève votre baillon, ok? Est-ce que ça va? De l'eau. De l'eau. Ouais. Détachez-moi. Ouais. Vous êtes cinglé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il n'aurait pas confié cette mission à n'importe qui, alors ne faites pas l'imbécile. Restez assise. Compris? J'ai pas la moindre idée de quoi vous parlez, ça m'est égal. Asseyez-vous tout de suite et la ferme. Allez, restez assise et ne bougez pas. C'est de la folie! Quelle merde. Faites demi-tour. Faites demi-tour, tout de suite. Je ne veux pas vous entendre. Écoutez-moi, et je ne vous ferai pas de mal. Je vous ai dit de faire demi-tour. Je n'ai rien à voir dans tout ça, ok? Rien du tout. Je ne suis pas impliqué dans votre histoire. Vous roulez trop vite. Doucement. Ralentissez! Ça suffit! Ok. Qu'est-ce que vous faites? Restez assise! Restez assise! Vous savez pas ce que vous faites. Asseyez-vous! Et n'essayez pas! Allô? Vous êtes en retard, Michael Woods. Ouais, excusez-moi, c'est que... Vous êtes sorti de prison il y a à peine 10 jours. J'ai vérifié votre dossier. Vous avez déjà enfreint les conditions de votre libération en quittant le pays. Votre ex-femme est à l'ambassade. C'est là que vous allez? Non, pas du tout. J'arrive dans un instant. Voulez-vous retourner en prison, Monsieur Woods? Non! 5 minutes, ou vous aurez des ennuis.
Ah, maman, il y a une femme qui... Il y a une femme enfermée au fond de la... Allô? Vous, ne bougez pas de là, je vous en prie. Restez où vous êtes, d'accord? Restez là, ne bougez pas. Assez, restez là. Vous ne savez pas ce que vous faites, pas vrai? Je ferais mieux de vous expliquer à qui vous avez affaire. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Mon nom est Rachel Chabangu. Je représente le bureau du procureur de l'Afrique du Sud. Il y a quelques jours, j'ai obtenu des informations compromettantes impliquant un homme très haut placé du nom de Ben Rose. Il opère un réseau international de trafic humain. Je me souviens simplement qu'en rentrant chez moi, j'ai déverrouillé ma porte, puis je me suis réveillée au fond de cette voiture. Je suis persuadée qu'on m'a séquestrée, puis enfermée ici pour empêcher que ces informations soient dévoilées au grand jour. Cette histoire ne me concerne pas, ok? Écoutez, alors je ne veux rien entendre. Vous devez m'aider, je vous en prie. Ah. Vous savez quoi? Taisez-vous, ok? Vous confierez tout ça à la police quand on arrivera ben là-bas. Ben Rose est le chef de police. C'est la police qui veut ma peau. Je n'ai aucune idée de quelle façon vous avez été impliqué là-dedans, mais vous l'êtes. Non. C'était ma réalité non, et c'est non. aussi devenu la vôtre. Non, c'est pas du tout ma réalité. Ça ne vous c'est plaît, pas ma réalité. Parfois, c'est votre problème à vous. J'ai si autre chose à faire que dans ça. Cette affaire, il y a J'ai une promis raison. De plus me mettre dans le pétrin, vous alors devez la ferme. Faire ce je que dis je vous non. dis. La ferme. Ça ne vous la fait ferme. Rien qu'on abuse je de ces gens. Vous ne pouvez pas. Entrepôt 78. Qu'est-ce que c'est que ça? Go! 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 Pourquoi il me tire dessus? Allez, on fout le camp d'ici! Allez, go! Go! C'est ce que je fais! Reprenez la route principale, là! Go, go, go. C'est ce que je fais, merde. Donnez-moi votre arme. Donnez-moi votre arme. Ils vont nous tuer tous les deux. Donnez-moi le revolver. Allez, donnez-le-moi. Voilà. Plus vite. Tirez. Tirez. Allez, plus vite. J'accélère. Ils vont nous j'accélère. Rattraper. Go. Continue à tirer! Go! Ok, hey! Quand je vous dirai de vous cramponner, accrochez-vous, compris? Quoi? Quand je vous dirai de vous cramponner, quoi? Accrochez-vous! Compris? Y a un mur! Je sais! Quand je vous dirai de vous cramponner, accrochez-vous! Maintenant!
connais une personne. Quelqu'un qui peut nous aider. Où sommes-nous ? Dans un petit village. Continuez tout droit. Ok, tournez à droite. C'est ici. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer ailleurs. Le voilà, à droite. Benji! Benji! Hé, hey Benji! Faites le tour. Il nous ignore. Faites le tour. Il est là. Benji! Benji! Emma! Ils m'ont enlevé! Ils veulent nous tuer! Benji! Gemina! Ntusake! Benji! Ils ont menacé mon fils. À son école. C'est de la folie. À son école. Il n'a que 8 ans. Je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Ils en veulent à son fils. Ils vont sûrement s'en prendre à ma femme. Elle est à l'ambassade. Appelez-la. Quoi qu'il advienne, elle doit rester où elle est. Rejoins Angie, laissez-moi un message. Angie, écoute, il faut que tu restes à l'ambassade. Surtout ne bouge pas de là, je ne veux pas que tu quittes l'édifice, il y a des personnes qui... Écoute, reste là où tu es, d'accord? Je viens te chercher, je vais te prévenir dès que je serai là. N'y allez pas. Je n'ai pas le choix. N'y allez pas. C'est exactement ce qu'ils veulent, ces gens-là sont dangereux. Ils vont nous tuer. Vous en faites pas, ils ne peuvent pas entrer dans l'ambassade. Ça m'est égal, il faut que j'y aille. Donnez-moi le téléphone. Quel département? L'ambassade? Le département des... Hey. Vérifiez, c'est dans mon téléphone. Tout va bien aller. Elle est en sécurité. Tant qu'elle reste à l'intérieur. Ambassade américaine? J'aimerais avoir le département des affaires diplomatiques. Certainement, madame. À qui aimeriez-vous parler? Je voudrais parler à Angelica. Moore. Angelica Moore. Angelica Moore, je vous prie. Je suis désolée, elle vient tout juste de quitter. Ça fait longtemps? Un instant, à peine. Quoi? Elle vient de quitter. Quelqu'un a demandé à la voir. Bouclez votre ceinture. C'est tout près d'ici, à gauche, à l'intersection. Le feu est rouge. Mais c'est rouge! Un peu plus loin. Ici! Les hommes de Rose sont arrivés! Elle est là!
Archie, fais demi-tour, vite, allez! Retourne à l'intérieur! Elle a rebroussé ses chemins! Elle a rebroussé ses chemins! Ils vous ont tiré dessus? Il faut qu'on trouve un hôpital! Non. Pas de médecin, pas d'hôpital. Ils vont nous trouver. Tournez ici. À gauche, ici? À gauche. Entrez dans le stationnement souterrain. Là, juste là. On peut pas rester ici. Ok. Descendez au niveau le plus bas. Trouvez un coin. Isolé. Où ils ne pourront pas nous voir. Ici. Ok. Ok. Comme ça. Aidez-moi à enlever ça. Aidez-moi à enlever ce vêtement, je dois voir la blessure. Ok. Comme ça. Prenez le tissu, appuyez, comme ça. Bon. Vous devez... Voilà. Ok, vous allez devoir appuyer plus fort. Faites ce que je dis, appuyez. J'appuie appuyez dessus. Plus fort. J'appuie dessus. Ça fonctionne pas. Merde. Je m'en sortirai pas. C'est une plaie béante. C'est une plaie béante. Je survivrai pas. Vous allez vous en tirer. Je survivrai non, pas. Vous allez vous en tirer. Non. Respirez. Je vais mourir. Lentement. Je vais mourir. C'est fini. Accrochez-vous. C'est trop tard. Accrochez-vous. Restez avec moi. Respirez. Donnez-moi votre téléphone. Votre téléphone. Ça enregistre. Ouais. Allumez-le. Ok, appuyez là. Sur ce bouton. Faites-le. J'appuie. Mon nom est Rachel Chabangu. Aujourd'hui, le 12 octobre 2011, on m'a abattue. Et si jamais je ne survivais pas, cet enregistrement sera mon témoignage lors de mon procès en justice. À la mi-septembre de cette année 2011, j'ai découvert un réseau de trafic humain. Ici, à Johannesburg. Ça va aller. Ce réseau est administré par le chef de police, Ben Rose. Lorsque j'ai réalisé que non seulement le chef de police, mais d'autres officiers haut placés étaient impliqués, J'ai tenté de contacter le juge James Mzuka. Mais à ce moment-là, on m'a enlevé. Ceci conclut mon témoignage. Attesté par... Michael Woods. Allez, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, hé.
Ouvrez vos yeux, restez avec moi, ok? Je ne veux pas ça sur ma conscience, alors restez avec moi. Continuez à respirer. Donnez ça au tribunal. Non, au tribunal. Je ne peux pas être vu par la police, ok? Je ne suis même pas supposé être ici, vous allez rester avec moi. Trouvez le juge. Mzuka. C'est le seul qui est digne de confiance. J'irai pas. Au tribunal. Vous allez rester avec moi. Restez. Michael, non. C'est le seul qui est digne de confiance. Personne d'autre. Non, je fais confiance à personne, vous comprenez? Vous allez rester ici, ok? Vous irez rencontrer votre juge, vous allez réussir, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, ok? Je le sais, tout va bien se passer. Maintenant, dites-le, dites-le! C'est votre devoir. Non, ce sera jamais mon devoir, c'est votre devoir. C'est votre devoir. Allez, dites-le, dites-le! Ça dépend de vous maintenant. Non, ça ne dépend pas de moi. Restez... Restez avec moi. Regardez-moi. 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 C'est votre histoire. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne! Merde, c'est pas possible! Je peux pas faire ça! Vous avez rejoint Angie. Laissez-moi un message. Tu viens pas du coin, hein? Donne-moi ton portefeuille. J'ai dit donne-moi ton portefeuille. Quand d'ici? Écoute-moi bien. Ton portefeuille, ou je vais te tuer, mon gars. Hé! Hey, ça presse! Dépêche-toi!
Foulcan d'ici. Je te laisse une chance, Foulcan. Les services d'urgence viennent de trouver le cadavre d'une femme dans un stationnement souterrain. Celui qui a prévenu le 911 était troublé. Vous vous sentez mieux maintenant? Qu'est-ce que notre amie Rachel Chabangu vous a révélé avant de mourir? Vous l'avez tuée. Hé, attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas idée à qui vous avez affaire. Écoutez, Michael, ce n'est pas moi qui viens de sortir de prison pour un délit de fuite. C'était un accident. J'ai payé ma dette. Vous me connaissez pas. Vous avez un talent indéniable pour vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, n'est-ce pas, Monsieur Woods? Peu importe. Voilà la situation. Vous avez enfin votre libération conditionnelle, ce qui fait de vous un criminel recherché. Vous êtes seul dans une ville dont vous ne connaissez rien, tandis que moi, d'autre part, j'ai accès à l'ensemble des forces policières. Je sais dans quelle voiture vous êtes, j'en connais la couleur et le numéro de plaque. J'ai aussi délégué mes hommes, ils attendent que votre ex-femme pose un pied à l'extérieur de l'ambassade. Et alors, elle est à moi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, il y a un dernier détail qui pourrait vous aider à prendre la bonne décision. Je vous suggère d'allumer votre radio. On fait parvenir aux médias son nom ainsi que sa photo. L'Américain Michael Woods est recherché pour le meurtre de la procureure vedette Rachel Chabangu. Rappelons que la jeune femme a été retrouvée sans vie. Alors je présume que vous allez faire le bon choix en restant hors de mon chemin, c'est compris? Le millefeuille. Quoi? C'est comme ça que mon père m'a toujours surnommé, le millefeuille. Il disait que je cédais sous la pression. Et que je m'effritais comme un millefeuille. Il était vraiment méchant. Une enfance difficile, pas vrai? Ce petit rire sadique, ça me rappelle mon père. Il en avait un comme le vôtre. Le petit rire d'un salaud. Et vous savez, même s'il est mort, chaque fois que je commets une gaffe, je l'entends encore. Vous êtes un salaud, pas vrai, enquêteur Smith? Faites très attention à ce que vous dites. Vous savez ce qui est bien plus dangereux qu'un parfait salaud, grisé par le pouvoir? Vous jouez avec le feu, Michael. Un homme qui n'a plus rien à perdre, enquêteur Smith. Je vais vous tuer. Alors vous me forcez à choisir? Ok. Dans ce cas, allez-vous faire foutre? Ouais, je cherche le numéro du juge James Mzuka. Oui, je l'ai trouvé. Je vous mets en communication? Ouais. Gardez la ligne.
Bonjour, ici le juge James Mazuka. Hey. Laissez votre message après le timbre sonore. Je m'appelle Michael Woods. J'ai avec moi le témoignage de Rachel Shebangu. Ils l'ont tué. Et ils veulent me faire la peau. J'arrive. Je vous la porte au tribunal. Vous avez rejoint Angie. Laissez-moi un message. Je me souviens de cette soirée. Où tu portais ta petite robe jaune. Tu venais de l'acheter. Il s'est mis à pleuvoir. Je courais partout en essayant d'attraper toutes les gouttes de pluie pour que tu restes au sec. On riait si fort qu'on en avait mal au ventre. Toi et moi, on a eu de beaux... moments, Angie. Il y a des personnes qui... Thank you.
Il faut pas que t'écoutes ce que ces gens vont dire. Je sais pas exactement ce qu'ils vont te raconter, mais ils vont te faire croire que j'ai tué quelqu'un, et c'est pas vrai. Je vais le prouver au monde entier, je vais te le prouver à toi-même si je dois y laisser ma peau. C'est le moment de me racheter pour toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. Pour une fois, je vais faire ce que je devrais. Et malheureusement, il n'y a qu'une manière pour moi d'espérer te retrouver. Ma seule chance de te revoir un jour, c'est de prouver que j'ai pas commis ce crime. C'est la seule façon. C'est la seule façon, alors. Je tiens à te dire que je m'excuse, et j'espère que tu comprends. Et je t'aimerai à jamais. Gamla, tu cherches quelque chose? Je dois faire repeindre ma voiture. T'as un drôle d'air. Ça convient pas à ton beau petit visage. T'as le regard d'un homme dans le pétrin. Es-tu dans le pétrin, monsieur l'Américain dans sa fourgonnette? J'ai pas d'argent sur moi. Tu te fous de ma gueule, hein? T'as le feu au derrière. Quand un homme est dans le pétrin comme toi, d'habitude je vois clair dans son petit jeu, tu comprends? Mais dans ton cas, c'est pas clair. On dirait que tu m'as confondu avec Mère Teresa. T'as rien d'autre? Tu sais combien ça coûte la peinture? C'est même pas une vraie, mon gars. Ça vient d'une boîte de céréales. C'est tout ce que j'ai, vieux. Pas besoin d'un travail de pro, je veux changer la couleur. Viens dans le garage. Assis-je. Le Joe, it's game time. This group is shitty courts, are we making headlines? Dalan is mele, sorry we missed the deadline. Bati upupile, but now it's nightmare time. Ling fundi silly logish, unga tembu muntu cause he can't keep a promise. Dinasa tembu muntu nge mali cause we thought he was really honest. This year, you know it's all about the money. This year, utanda umatande. This year, uzostela, uzostela. Ok, il faut que je sorte d'ici. T'es un homme occupé, dis donc. Je comprends, mon gars. Hé, on se dépêche, combré. Le super-héros doit partir. Je dois y aller, ça presse. Allez, les gars, vite. Yeah, bon, nous, ça. Hé, comment on se rend au palais de justice?
Tourne sur Diagonale. À droite. Tu vas reconnaître la façade. Merci. Allô? Bonjour. Est-ce que je m'adresse à Michael Wood? Vous m'avez téléphoné. Oui, qui êtes-vous? Je suis le juge Mazuka. Vous m'avez laissé un message concernant Rachel. Ouais, j'ai enregistré son témoignage. Elle m'a tout raconté avant de mourir. Écoutez-moi. Ce que vous avez en votre possession représente notre meilleure chance de faire condamner Ben Rose. À vrai dire, c'est notre seule chance. J'en ai besoin. Ouais. J'en ai besoin. Ouais, je m'en vais directement au palais de justice. Non. Ils vont vous abattre s'ils vous voient. Ah non, je crois pas. Ils reconnaîtront pas ma fourgonnette, je viens de la faire repeindre et ils sauront jamais que c'est vous moi. Vous ne comprenez pas. Ils ont donné l'ordre de vous abattre à vue. Les policiers sont partout. Le palais de justice est le pire endroit où vous pourriez aller. C'est exactement ce qu'ils attendent de votre part. J'ai pas le choix. Vous courez à votre perte, Monsieur Woods. Je l'ai promis à Rachel. Écoutez, je peux venir vous rencontrer. Dites-moi simplement où vous êtes. Vous parliez au téléphone en conduisant votre véhicule, c'est illégal. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Votre permis de conduire, je vous prie. Votre permis de conduire, monsieur. S'il vous plaît, votre permis de conduire. Sortez du véhicule, monsieur. Monsieur, sortez du véhicule! Vous ne bougez pas! Que s'est-il passé? C'est que... Il y avait un officier à métro aussi, il est parti. Michael, écoutez-moi, c'est trop dangereux. Restez où vous êtes et je vous envoie quelqu'un. Dites-moi où on peut vous trouver. Allô? Michael, m'entendez-vous? Ouais. Où êtes-vous? Je suis près de... Il faut que je sache où vous êtes. Ouais, mon téléphone est déchargé, je suis près de la... Michael? La rue Bertha. Oui, Allô? Allô, m'entendez-vous? Allô? Où j'ai mis ça? Allez! Allez, vas-y, charge! Non, pas maintenant, c'est pas le moment! C'est pas le moment! Bon sang, allez, charge! Allez, charge! Quelle merde! Foutu chargeur, allez, merde! Brûler en enfer. C'est déjà fait. Il faut que j'y aille.
prendre mon chemin. Ça fonctionne! Allô? Je les ai semés, monsieur le juge. Le palais de justice, il est juste ici. C'est la mauvaise direction. Déposez votre arme! N'approchez pas! Déposez-la! Je veux voir le juge Mizuka immédiatement, ou je lui fous une balle en pleine tête. Je vais la battre, écoutez-moi! Appuyez sur la détente. Je vais faire tout ce que vous me dites! Écoutez-moi! Mais il faut que vous déposez votre arme! Écoutez-moi! Trouvez-moi le juge Mizuka immédiatement! Déposez votre arme! J'ai dit, trouvez-moi le juge! Est-ce que vous allez m'obéir? Hein? Est-ce que vous allez m'obéir? Fichez le camp d'ici! Fichez le camp! Éloignez-les tout de suite! Écoute, mon gars. Laisse-moi une petite chance, ok? On va s'entendre... Allez chercher le juge! Trouvez le juge, maintenant! Ah, oh, mon Dieu... Trouvez le juge, Mizuka, vite! Un instant, un instant.
Bonjour, Monsieur Woods. Cet homme est un criminel recherché. Il n'obtiendra rien du tout. Et vous êtes qui, au juste? Enquêteur Smith. Ça regarde mon département, donc vous pouvez disposer. Je vais tuer cet homme! Non, vous ne ferez pas ça. Oui, je vais le faire. Allez chercher le juge! Je vais le voir maintenant! Ou ce gars va crever. Je vous donne ma parole, ce gars-là va crever si vous m'amenez pas le juge tout de suite. C'est hors de question. Ne m'y obligez pas. Ne m'y obligez pas! Est-ce que vous n'avez pas fait assez de bêtises dans votre vie, Monsieur Woods? En ce moment, deux de nos plus redoutables tireurs d'élite vous ont dans leur mire. Si je leur fais signe, vous êtes mort. Ne m'obligez pas à lui faire sauter la cervelle. Je vous dis que je vais l'abattre. Allez chercher le juge ou il va mourir. Ça enregistre. Votre micro fonctionne? Oui, hein? Oui. Vous êtes sûr? Là-bas. Posez votre arme tout de suite ou je vous descends. Il est un otage, vous allez... Écartez-vous. À mon signal, vous êtes mort. Et il y a un protocole ici. À moins d'être menacé, vous pouvez pas faire feu. Je veux voir le juge. Ne me dites pas comment faire mon boulot. Il est prêt à abattre cet homme. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne vous mêlez pas ça! Dis-moi, mon gars, à quoi ça rime? Vous mêlez non, pas de vous ça. Vous en mêlez pas! Allez-vous-en tout de suite! Déposez votre arme! Ça suffit, vous mêlez pas allez de ça! Allez chercher le juge! Reculez tout de suite. Écartez-vous! Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Je veux voir le juge! Déposez allez votre chercher arme! Le votre force, ça presse! Vous reculez! Personne allez ne cherche le juge! J'ai les preuves qu'il vous faut! Ok? Vous avez intérêt à la faire! Je sais que ce bambou a été tué! Il a une bombe! Personne ne tire! Personne ne tire! Personne ne tire! Reculez! Mon nom est Rachel Chabanko. Aujourd'hui. Le 12 octobre 2011, on m'a abattue. Si jamais je ne survivais pas, cet enregistrement sera mon témoignage. À la mi-septembre de cette année 2011, j'ai découvert un réseau de trafic humain. Ici, à Johannesburg. Ce réseau est administré par... le chef de police, Ben Rose. Hospitalisé d'urgence pour ses blessures, le touriste américain Michael Woods a été qualifié de héros par le président Jacob Zuma, qui a salué son courage et son intégrité. Son ex-femme Angelica Moore, qui reste à son chevet, s'est adressée à la presse un peu plus tôt. On a traversé de dures épreuves, mais j'ai toujours été convaincue qu'il avait l'étoffe d'un héros. Dans l'adversité, il a agi de la bonne manière. Et mon cœur lui appartiendra à jamais. Ben Rose et plusieurs autres représentants des forces policières ont été appréhendés en fin de journée mardi après l'incident dramatique devant le palais de justice. Le témoignage de Rachel Chabangu ainsi que les preuves obtenues par le juge James Mzuka ont permis aux autorités... L'assassinat de la procureure Rachel Chabangu a été officiellement attribué à l'enquêteur Smith et les représentants de la couronne ont assuré les médias que des funérailles nationales auraient lieu. Le touriste américain Michael Woods est attendu par le maire de Johannesburg. Et nous avons appris aujourd'hui que la municipalité allait organiser une cérémonie en son honneur. D'après les rumeurs, on aurait l'intention de lui remettre les clés de la ville en guise d'appréciation pour son geste héroïque. Le chef de police Ben Rose, quant à lui, a été démis de ses fonctions et suspendu indéfiniment par le service de police de Johannesburg en attendant le résultat de l'enquête. Hard times can kill. Sometimes I grab the microphone and go bluster. Sometimes I grab the mic and scorp it like a chill. This one's going out to all my gangsters. Met de getunte vensters. Wise boys gedrapt de suspensions. Spuffrums en gevaarlijke engines. All I wanna do is zoom zoom zoom. Met de lakke heavy doom doom doom. Die aanvoers heavy brain strain sushi matrix. Heb ik goosebumps van de boys kicks. I love all my lieve Mikey. All my gangsters, all my lighting. I love all my lieve Mikey. All my blacks, all my colors, all my whiteies. What's up bro, I got the good stuff.
can get you hooked up. My lullabies float like a butterfly, sting like a vuscla. There's a heavy calm in the middle of my storm. Rien flotte en scam. Skak van ax, aussi flotte en son. Tuck flotte en fierce. The ninja moves free. From the cake flies to the overseas. Scoping daar gevaarlijke poetry. Soos love is dark, but light reveals the shape of things at night. Leave.